Quoi? Toc, toc. Priya, qu'est-ce que tu fais? Bah, le jeu du toc, toc. Tu sais, tu dois dire « Qui est là ?» comme si quelqu'un frappait à la porte. Ok, alors, toc, toc. Qui est là? Mais je sais que c'est toi. Mais non. Écoute, joue le jeu. Toc, toc. Qui est là? Tofu. Maintenant, tu dis Tofu. Tofu qui? Tofu quoi, là, à faire des blagues? T'as rien de mieux à faire? Je t'écoute. On t'a dit que cette blague est nulle. Mais c'est pas vrai, hein? Allez, j'ai besoin que tu me soutiennes. Elle est super, Priya. C'est le meilleur jeu du toc-toc que j'ai jamais entendu. Ouais. Bon, d'accord. Je vais lui dire que t'as dit ça. Si les feuilles sont déroulées trop tôt, elles dépérissent. Tu cherches les problèmes. Les enfants méritent de savoir ce qui se cache derrière ce bruit. Et moi, je mérite de rentrer à l'arbre maison sans être assailli de questions. Il vaut mieux éviter ceux qui viennent du ciel.
tout à sa mère lui manque. Tu savais que les habitants de la... Ah, Sarentu. Parfait. Je ne suis pas peureuse, mais il y a un son étrange qui provient des collines, la nuit. Un petit tracas compte tenu de la situation, pas vrai? Mais les enfants ne sont pas de cet avis. Chaque fois que je retourne à l'arbre maison, ils me disent « Tu sais toujours ce qui se passe, Leïta ? Alors, c'est quoi ce bruit ?» Leur curiosité est charmante. Mais fatigante. Et c'est quoi, à ton avis ? Peut-être quelqu'un qui a trop de temps libre. Les enfants pensent qu'il pourrait s'agir de ceux qui viennent du ciel. Mais il y a Ningan. Il nous interdit d'aller voir ce qui se passe. Le cours qu'il nous a donné sur le danger était si long que mes bâillements auraient pu faire trembler l'arbre maison. Pourtant, le danger n'a pas l'air de t'arrêter. Ningan mène une vie ennuyeuse. Il ne reconnaîtrait pas un véritable danger s'il s'approchait de lui pour le manger. Mais c'est un ancien. Et lorsqu'un ancien parle, nous lui obéissons. Quoi qu'il arrive. Donc, si je dis aux enfants ce que je trouve, je leur apprends aussi à ne pas respecter les mots de leurs aînés. Mais toi, tu n'es pas Aranae. Tu peux donc m'aider à ne plus avoir les enfants sur le dos. Même si j'adore leur inlassable curiosité. Rien de tel que les bruits de la forêt pour apaiser un esprit tourmenté. La vie est semblable à de la soie qu'on tisse. Ne traînons pas dans les parages, ou nous allons nous faire prendre. Je dois aller là? C'est pas dangereux? Crois-tu vraiment que je t'enverrai à la mort? Allons. Aie confiance, Mayanto. C'est ce que tu m'as dit à propos de la piqûre de Kinglor. Tiens, j'utilisais ça avec Zomé. Puisses-tu tisser un lien comme le nôtre? Mayanto, nos chasseurs disent toujours « ne regarde pas en bas ». Je te conseille fort d'écouter leur sagesse.
Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? J'ai été doucement pour toi. Mais comment es-tu monté si vite? J'ai passé mon enfance à grimper ces montagnes. Je les connais par cœur. Alors, tu te sens mieux? Oui, mais mon esprit souffre encore. Je l'espère. Hé, hey, Priya, tu ne devineras jamais où je suis en ce moment. Les Aranahé ne t'ont pas fait bouillir dans une de leurs cuves, hein? Pas du tout. J'escalade la volière des Iklan pour être choisi. Du moins, je l'espère. Oh, sérieux? Là, maintenant? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? C'est super haut, non? T'as pas peur? Tu m'aides pas vraiment, là. Tu dois en parler, alors. Il va adorer ça. Attends, je dois prendre un marchepied. Thank you.
attaché à un éclave ? J'espère être choisi. Ce lien est pur, vierge de tout contact humain. Mais nous, les Salento, sommes un peu trop humains. J'utilise même un instrument humain pour parler avec toi. Eh ben, à la guerre comme à la guerre, non ? Ria ? Pour faire le lien, il faut une confiance mutuelle. Je crois qu'elle n'est pas tout à fait prête. Souviens-toi que c'est l'écran qui te choisit. Pas l'inverse. Non ! Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Elle ne te fait pas encore confiance. Continue, elle récompensera peut-être tes efforts. Je commence à croire que j'y arriverai jamais. Elle se moque de toi. Tiens bon.
Ma Aelan, écoute-moi bien. C'est un lien précieux, prends-en soin. Une vie à tout jamais liée à la tienne. J'ai rencontré Zomei juste ici. Elle s'est cabrée en claquant ses mâchoires. J'avais le ventre noué, les mains moites. Mon cœur frappait fort dans ma poitrine. J'ai cru qu'il allait exploser. Mais elle cherchait seulement à m'impressionner. Nos regards se sont trouvés et mon cœur a ralenti. Ma respiration s'est calmée. Je savais qu'elle me choisirait. Je l'ai senti. Wow! Calme-toi, ça va aller! Tout va bien, je vais pas te faire de mal. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Wow! Calme-toi, ça va aller! Donne-lui un nom. Elle t'appartient désormais. Je crois que je vais t'appeler Temek. Un nouveau lien. C'est merveilleux de voler par la pensée. De toucher un autre esprit. Vos cœurs battant à l'unisson. Vous devez le sécuriser par un acte de confiance. Comment ? Appelle-la ! Appelle ton Ikran ! Envolez-vous tous les deux et renforcez votre lien ! Oui ! On a réussi ! Tu as réussi ! Merci. Merci beaucoup. Bon, réfléchissons. Comment faire ? Peux-tu
aller plus vite? On plonge. Tu as faim, ma belle? Tu veux une friandise? C'est ça, mais oui. Oh!